le 25 août 2020, chers internautes, bonjour et bienvenue à la revue des titres. Le quotidien de Ménotin Fraternité pré-campagne pour la présidentielle de 2021 flambait des mouvements de soutien des partis à l'épreuve des fissures. Difficulté d'écoulement de la tomate, l'or rouge pèse sur les bras des commerçants. Transformation, une urgence ignorée. Polémique sur la participation au concours des personnes handicapées, Nassirou Domingo, il faut qu'on nous laisse composer comme les autres. Grossir ses fesses et ses seins, comment les dames s'y prennent à Cotonou. La Nation, gestion des déchets et salubrité dans le Grand Nokwe, la machine en marche pour des villes assainies. Défalcation sur les comptes MTN Mobile Money, 21 députés interpellent le gouvernement. Fédération béninoise de football, les fonds COVID-19 bientôt octroyés aux anciens internationaux. Grande promo de fin d'année, les deux heureux gagnants de Villa MTN Momo connus. Africa News 2 à présent, Mali transition, les militaires souhaitent rester 3 ans au pouvoir. Une délégation de la CEDEAO discute depuis quelques jours avec les putschistes des modalités de la transition et de la libération du président Ibeka et son premier ministre. La junte souhaite assurer une transition de 3 ans dirigée par un militaire. Carte d'identité biométrique, 35 000 cartes disponibles pour les Béninois vivant au Nigeria. Sénégal, lancement du projet de forêt nourricière et médicinale. Énergie Bénin, bientôt 5 000 ménages électrifiés grâce au projet Eureka. Le Béninois libéré pour finir, pour donner raison à Talon qui voit en leur partie l'avenir, le BR passe au scanner les communales. Présidentielle de 2021, Talon peut-il se faire réélire sans Yahi? Interrogation à lire à la une du quotidien. Présidentielle 2021, Talon n'a aucune excuse pour ne pas être candidat, dixit Dakbe. Entretien avec le président Louis Vlavonon sur le volume 1 intitulé « L'Église, la politique et moi » de son ouvrage « La providence divine ne m'a jamais fait défaut ». Question orale à l'Assemblée contre l'escroquerie des populations par MTN, Badamassi demande des comptes à l'État. Le défenseur du peuple veut voir clair dans le flou de MTN. Et puis établissement des cartes biométriques en République du Bénin, le Bénin change de format de CNI et passe au biométrique. Sur le site d'information de First Contact Afrique, ZELCAF Rwanda, le pays le mieux engagé et préparé à la mise en œuvre. Le niveau d'engagement et de préparation à la mise en œuvre de la ZELCAF est inférieur à 50%, révèle le rapport d'évaluation de l'initiative Afro Champions, une plateforme d'échange portée par des chefs de grandes entreprises et des personnalités politiques du continent africain en partenariat avec le cabinet Cofidant. Soudan, USA, Mike Pompeo va visiter le Soudan. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, se rendra au Soudan dans le cadre d'une visite dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Cette sortie contribuera à réchauffer les relations entre les deux pays et permettra à Khartoum de tendre vers un allègement de sa dette. Beyrouth, les travailleurs étrangers veulent rentrer au bercail. À la suite de l'explosion au Beyrouth, des milliers d'expatriés travaillant au Liban ont demandé à rentrer chez eux et ont organisé des manifestations devant les bâtiments du consulat. La crise sanitaire mondiale et l'explosion de Beyrouth ont aggravé la crise économique dévastatrice qui a frappé le Liban en octobre 2019. Plusieurs des étrangers, y compris des Kenyans, se sont retrouvés dans la rue. Le Togo, pour finir, premier pays africain à avoir officiellement éliminé la maladie du sommeil. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le Togo a satisfait aux critères d'élimination de trypanosomiase humaine africaine, encore appelée maladie du sommeil. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com, sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411.
First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. C'est l'essentiel de ce qui fait l'actualité sur la une des parutions de ce jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à First Afrique TV et d'activer la cloche de notification pour recevoir les informations en temps réel. Excellente journée à notre compagnie.